Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Infinite Warfare en mode zombie sur la map L'attaque de la chose radioactive. Donc cette vidéo consiste à débloquer la carte d'agent secrète. Donc là je vais vous la montrer tout de suite. Donc modifier carte de visite. Donc les cartes secrètes elles se trouvent dans défi d'âme. Et là vous allez dans secret. Et là, il y a deux nouvelles cartes secrètes, donc il y en a une qui a été rajoutée il n'y a pas longtemps, et il y a une carte top secrète qui est facile à débloquer, je pense que c'est celle du milieu justement. Et c'est avec des chauves-souris et tout ça, donc je ne l'ai pas encore débloquée, mais vous allez la voir, franchement c'est super super facile pour la débloquer. Alors qu'est-ce qu'il vous faut? Enfin moi ce que je vous conseille c'est de vous équiper avec le sniper classique TF-141, et vous appuyez sur carré et vous ne mettez pas de viseur, quoi. Vous ne mettez aucun viseur. Vous appuyez sur carré si vous avez mis un viseur, par exemple, regardez, je mets un Elo, j'appuie sur carré, ça efface la sélection. Donc voilà, comme ça j'ai un viseur pour bien viser, pour bien vous montrer le truc. Après ça marche aussi sans viseur, hein. Vous pouvez prendre genre vous pouvez prendre une mitraillette et tout, ça peut fonctionner avec une mitraillette, mais bon voilà, moi je vous conseille un sniper, comme ça vous visez bien et tout. Donc voilà, alors je lance le jeu et je vous dis à tout de suite dès que je suis arrivé à l'étape. Donc voilà, quand vous avez ouvert à peu près toute la map, donc devant le masto qui se trouve là, enfin devant le market et à la piscine, et ben vous allez aller ben à la piscine tout simplement chercher le sniper TF 141. Donc c'est pour ça que je vous avais dit de mettre un viseur, comme ça vous allez bien pouvoir viser parce que le truc est quand même assez petit. Et voilà, si vous avez, même avec l'UDM, hein, vous pouvez le toucher, mais bon, je vous conseille de prendre un sniper. Donc voilà. Et là, vous retournez en face du masto et vous allez voir que il va falloir tirer sur une petite barre qui sort d'un rocher comme ça. Et c'est tout. Il suffit juste de tirer sur cette barre et après, ben, la carte de visite sera débloquée. Donc voilà, c'est vraiment super facile à faire. Regardez, vous vous mettez devant le masto et regardez sur le rocher là-bas. Il y a je sais pas, un petit truc métallique là comme ça au loin. Mais il va falloir tirer dessus. Vous voyez à peu près où c'est. Le masto il est là. Hop. Évidemment, je vais le tuer. Comme ça je serai tranquille. Je maintiens ma respiration. Et j'ai loupé. On va essayer. Voilà, c'est bon. Massacre, je sais pas quoi, j'ai pas le temps de lire. Mais j'ai tiré dessus plusieurs fois. J'ai l'impression qu'il faut tirer à la base du truc pour que ça fonctionne. Donc voilà. Là, je vais mettre fin à la partie. Et vous allez voir que maintenant, j'ai débloqué la carte secrète de cette map. Après, il y en a une troisième qui s'est rajoutée il n'y a pas longtemps, je crois qu'il y a 3-4 jours, quoi. Et donc je pense, ouais, c'était vendredi, je pense qu'elle s'est rajoutée. Et je pense que c'est une nouvelle carte secrète qu'il y aura aussi dans cette map. Donc, hop, Kazam, modifier carte d'agent, défi d'âme. Et voilà, là je l'ai débloqué. Donc, massage redirigé, voilà ce que c'est. Elle est pas mal, ça va, elle est pas mal. Mais question de difficulté, je suis assez déçu parce que Troll Statistics, c'était vraiment une carte qui était assez chaud à découvrir, enfin à découvrir. Et rien que pour l'obtenir, bah, il fallait se lever à 6 heures et tout. Je trouvais ça vraiment génial. Et là, ils nous ont mis une carte secrète, mais complètement déjà secrète, secrète. Voilà quoi. Il suffit juste de tirer sur un truc. Et en plus, on peut tirer à la mitraillette, à l'UDM, n'importe quoi. Donc, par un coup de chance, vous pouvez débloquer la carte, quoi. Je trouve ça un peu dommage. Un peu dommage. Donc j'espère que la nouvelle carte top secrète qu'ils ont rajoutée, ben, ce sera un autre secret dans la map, l'attaque de la chose radioactive. Donc on verra bien, j'espère. Et voilà quoi. De toute façon, je vous tiens au courant pour la troisième carte. Hein. Dès que je sais comment l'obtenir, je vous ferai un petit tuto. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo ben, vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager pour m'aider à évoluer sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, moi je vous dis à très bientôt les potos, ciao, peace.